Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des coquilles Saint-Jacques, donc une entrée chaude pour Noël. Vous allez voir qu'il y a une bonne petite sauce avec du vin, des échalotes et un peu de crème. C'est vraiment simple à préparer et ça fait son effet. Vous allez voir toutes les étapes en vidéo. On commence cette recette en préparant la sauce. Alors, on prend une petite poêle et sur un feu moyen vif, on va faire fondre du beurre. On y ajoute les échalotes ciselées finement, du sel et du poivre. Et là, vous allez les laisser comme ça un peu confire 2-3 minutes. Donc, feu moyen, pas trop fort quand même. Vous surveillez la cuisson. Faut pas que ça brûle. Faut vraiment qu'elle devienne translucide. Ensuite, au bout de 2-3 minutes, donc quand ça devient un peu translucide, on va ajouter une petite poignée de poireaux. Alors les miens étaient congelés, donc ils étaient déjà découpés en fait finement. Sinon, vous pouvez aussi prendre du frais, vous prenez un peu de blanc et un peu de vert, vous le coupez finement, vous l'ajoutez. Vous allez laisser comme ça tout doucement sur un feu doux 2-3 minutes. Et ensuite, on va y ajouter le vin blanc. Vous mélangez bien, vous attendez 2-3 minutes que l'alcool s'évapore et ensuite toujours sur un feu très doux, on va y ajouter des lamelles de champignons de Paris et des petits morceaux de crevettes roses. Donc là, ce sont des crevettes roses déjà cuites, donc je les ai juste décortiquées et coupées. Donc vous l'ajoutez, vous mélangez bien et sur un feu très doux, vous allez laisser cuire à peu près 5 minutes. C'est vraiment très rapide, c'est histoire que les champignons s'imprègnent de la sauce, que les poireaux terminent de cuire, donc c'est vraiment rapide. Au bout de 5 minutes, on éteint le feu et là, vous allez ajouter la crème. Vous remélangez à nouveau et au besoin, vous rectifiez l'assaisonnement. Donc vous goûtez si ça manque de sel ou de poivre. Donc là, vous allez réserver cette préparation et maintenant, on va s'occuper de la cuisson des Saint-Jacques. Alors pour les Saint-Jacques, c'est pas compliqué, vous prenez une petite poêle, vous allez mettre le feu donc vraiment sur un feu moyen. Vous allez faire fondre votre beurre et quand le beurre est fondu, vous allez ajouter les noix de Saint-Jacques. Donc vous les faites bien rissoler des deux côtés. Alors vous n'êtes pas obligé de garder le corail, si vous n'aimez pas le corail, vous le retirez. Si vous voulez le garder, vous pouvez le faire cuire donc avec la Saint-Jacques en même temps. Donc voilà, vous faites recto verso, vous salez légèrement, vous poivrez et quand elles sont prêtes, vous les retirez de la poêle. Ensuite, donc dans la même poêle qui a servi à faire cuire les Saint-Jacques, vous allez rajouter la sauce que vous avez préparée tout à l'heure et vous allez juste mélanger. En fait, c'est pour mélanger la sauce avec le beurre et la cuisson, en fait, le beurre de cuisson des Saint-Jacques. Ça apporte un petit goût supplémentaire qui est super bon. Donc, vous mélangez bien. Ensuite, vous allez prendre vos coquilles. Donc, vous demandez à votre poissonnier, en fait, de vous les laver, de vous les préparer et de vous en mettre quelques-unes de côté pour présenter, en fait, cette entrée chaude. Alors ensuite, c'est pas compliqué, vous allez prendre vos noix de Saint-Jacques et vous les placer dans les coquilles. Donc moi, j'en ai mis 3 par Saint-Jacques, donc 3 par personne. Après, ça dépend, vous pouvez en mettre qu'une ou deux, enfin c'est comme vous voulez, mais enfin 3, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous allez verser donc votre sauce chaude avec les petites crevettes, les champignons, le vin blanc et tout ça. Et vous allez mettre du persil plat ciselé et on va terminer par un petit peu de comté râpé. Voilà, donc pour terminer, il ne vous reste plus qu'à placer votre plaque sous le grill, donc sous la grille du four. Et bon, bah voilà, après ça dépend de la puissance de votre four. Moi, vous savez que j'ai un vieux four, donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, vous le faites gratiner et ensuite, il ne vous reste plus qu'à servir. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. J'espère vraiment que cette recette vous fera plaisir. N'hésitez pas à la faire, à poster une photo comme d'habitude sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Vous pouvez aussi liker, commenter la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.